Alors, bonjour. Merci beaucoup d'être présent avec nous aujourd'hui à l'occasion de cette conférence de presse où nous ferons le point sur les mesures additionnelles pour le réseau scolaire dans le cadre de la pandémie de COVID-19. Nous sommes aujourd'hui en compagnie du ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, et du docteur Richard Massé, conseiller médical stratégique à la Direction générale de la santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux. Ils prendront la parole à tour de rôle. Sans plus tarder, je cède la parole au ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge. Merci beaucoup. Merci pour votre présence, Dr Massé. Merci aussi à tous ceux, toutes celles qui nous écoutent. Salutations aux journalistes. Je veux d'abord souhaiter mes voeux de bonne année à tout le monde, puisque c'est la première fois que je prends vraiment publiquement la parole en ce début d'année. Particulièrement une bonne année aux élèves à qui je pense toujours, qui sont toujours présents dans ma tête, mais aussi évidemment bonne année à tout le personnel de nos écoles, tout le personnel du ministère et tous les gens qui œuvrent dans le réseau scolaire, y compris bien sûr les parents qui sont des partenaires essentiels. C'est important aujourd'hui de faire le point sur la situation dans notre réseau scolaire. Le Premier ministre a fait une annonce il y a maintenant 2 jours sur la date de rentrée scolaire, une annonce qui a été très bien accueillie. Donc, dès lundi prochain, nos jeunes du préscolaire et du primaire vont retourner en classe. Une semaine plus tard, le 18, ce sera le tour des jeunes du secondaire, mais aussi des gens de la formation générale aux adultes et de la formation professionnelle. Mais évidemment, une fois qu'on a annoncé les dates, beaucoup de questions subsistent et ça va me faire plaisir aujourd'hui de répondre à ces questions et de donner des précisions. Mais juste avant, je pense qu'il faut mettre en perspective les décisions qu'on va prendre aujourd'hui, ce qui va se passer dans les semaines et les mois qui viennent, dans une perspective un peu plus grande, en regardant l'année scolaire dans son ensemble, et je vous dirais même en regardant ce qui se passe dans le réseau scolaire depuis le début de la pandémie. Je pense que c'est important de se rappeler qu'on a eu, somme toute, un automne réussi sur le plan académique. Bien sûr, rien n'était parfait, ce n'était pas possible d'avoir une fréquentation scolaire sans anicroche, bien sûr, en temps de pandémie mondiale, mais le plan qu'on a déposé en juin 2020, qu'on a actualisé avec des ajustements au mois d'août, nous a permis de garder nos écoles ouvertes tout le long de l'automne, avec une particularité spéciale qu'on a eue au Québec, qui n'est pas partout, et ce n'était pas partout le cas à la grandeur du Canada et dans tout l'Occident. On a gardé la priorité nationale sur l'éducation et on a gardé la fréquentation scolaire obligatoire. Et dans toutes ces conditions, tout le long de l'automne, 98% des classes sont demeurées ouvertes. C'est exceptionnel et je pense que c'est important de dire que c'est un défi qu'on a relevé comme société, avec les acteurs du réseau scolaire, ensemble. Un défi relevé. Maintenant, bien sûr, après la pause du temps des fêtes, les gens se sont demandé, oui, mais est-ce qu'on réouvre les écoles et quand est-ce qu'on les réouvre? Très clairement, je pense qu'il y a un consensus assez fort au Québec pour dire qu'on doit réouvrir le plus rapidement possible. J'ai vu des interventions de l'Association des pédiatres qui allaient en ce sens-là aussi, un très grand regroupement de médecins, des spécialistes en éducation, tous les partenaires du réseau scolaire, des parents et même beaucoup d'élèves ont dit, je veux retourner à l'école. Donc, on veut que nos jeunes aillent à l'école, mais évidemment, on ne peut pas faire comme si la pandémie n'était pas là. On doit s'adapter. On voit avec les cas qu'il y a au Québec, dans la communauté, que les temps sont durs. Donc, on doit poser des gestes différents. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on arrive avec une actualisation du plan scolaire qui arrive avec des informations qui seront valides, bien sûr, jusqu'à la fin du mois de juin. Et essentiellement, je vous dirais que ce sont des bonnes nouvelles. On arrive avec des mesures additionnelles qui vont venir donner un coup de main du point de vue pédagogique, du point de vue sanitaire pour assurer la santé et la sécurité de tous ceux qui fréquentent nos écoles, puis aussi des mesures pour prendre soin des gens d'un point de vue de la santé mentale. C'est important de le mentionner. L'objectif derrière tout ça, c'est entre autres de réduire la pression. Réduire la pression sur le réseau, sur les parents, pardon, et sur les élèves. Les équipes écoles font un travail formidable, mais tout ne peut pas reposer sur les épaules des enseignants et des parents. Il faut donner de l'aide à tout ce monde-là. C'est pour ça qu'on annonce qu'on va mettre en place, dans les prochaines semaines, d'ici la fin du mois de janvier, des formules de tutorat. Des formules de tutorat qui viendront aider nos élèves qui éprouvent des difficultés, qui ont des retards scolaires.
on va lancer ce programme-là en utilisant notre plateforme Répondez Présent, qui est une plateforme de recrutement qui a très bien fonctionné l'automne dernier. Donc, on va la réutiliser dans les prochaines semaines. On va bientôt donc lancer un appel au personnel volontaire dans nos centres de services scolaires, aux retraités de l'enseignement, puis aussi à nos étudiants au collégial et à nos étudiants dans le réseau universitaire, surtout ceux qui se préparent à une carrière dans le monde de l'éducation. Ces gens-là pourront devenir des tuteurs et donc aider, accompagner, soutenir des élèves qui auront été ciblés par les enseignants, ceux qui connaissent le mieux les besoins des élèves. En plus, avec des partenaires, on va lancer des forums de discussion pédagogique en ligne qui seront disponibles pour aider les élèves qui ont besoin de soutien, donc à l'extérieur des heures de classe et même au-delà des programmes de tutorat. Il ne faut pas oublier non plus la santé mentale. Bien sûr, il y a la réussite scolaire, mais il y a la réussite éducative et il y a l'état d'esprit de nos élèves. Il ne faut pas l'oublier, c'est pour ça que bientôt, il y aura une application mobile qui sera disponible, qui va permettre à nos jeunes d'avoir accès à de nombreuses ressources, mais aussi des témoignages, des vidéos, du clavardage en direct pour briser l'isolement et aider nos jeunes à passer à travers cette période stressante. Et avec une application mobile, je pense qu'on va aller là où les élèves sont souvent, c'est-à-dire sur leur téléphone, qui est le moyen pour eux d'accéder à toutes sortes de ressources. Maintenant, un mot sur l'évaluation, les évaluations des apprentissages, les bulletins. Comme on le sait habituellement, il y a 3 bulletins dans une année scolaire normale. Mais là, on ne vit pas une année scolaire normale. On a déjà annoncé qu'il allait y avoir cette année 2 étapes, donc 2 bulletins. Le premier bulletin devait être remis au plus tard le 22 janvier, mais avec tout ce qu'on a vécu l'automne dernier et avec la pause des fêtes, il y a eu des gens qui ont demandé un petit délai supplémentaire. Donc aujourd'hui, on annonce que oui, ce sera possible, si nécessaire, d'attendre jusqu'au 5 février pour remettre le premier bulletin. Mais on doit aussi regarder la pondération des bulletins. Vous savez, il y a un bulletin, il y a un second bulletin, puis après, il y a le résultat global qui est formé de la compilation de ces 2 notes-là. Alors, j'annonce aujourd'hui qu'il y aura une pondération différente. On va diminuer la valeur du premier bulletin et augmenter la valeur du second bulletin. Et là, je m'adresse aux élèves. Si vous avez eu des bonnes notes, des bons résultats, si malgré tout ce qui s'est passé, vous avez réussi vos apprentissages, tant mieux, ce n'est pas perdu, ces bonnes notes-là vont rester et vous avez tous les acquis pour réussir, bien sûr, la seconde étape. Si vous avez eu de la difficulté, des retards, vous êtes inquiet des notes qui s'en viennent dans le premier bulletin, bien moi, j'ai le goût de vous dire, lâchez pas, on veut vous garder motivé. En donnant une plus grande importance au second bulletin, on vous donne la chance de vous rattraper, de réussir votre année scolaire. C'est ça l'objectif, c'est pour ça qu'on prend cette décision-là. Autre allègement que j'annonce aujourd'hui, c'est que nous allons annuler la passation des examens ministériels, que ce soit ce qu'on appelle les tests du ministère ou les épreuves à sanctions secondaires 4 et 5, eh bien, ils n'auront pas lieu cette année, puisque c'est une année exceptionnelle. On va annuler ces épreuves, mais on va aussi rendre disponibles, vraiment d'ici quelques semaines, d'ici la fin du mois de janvier, des documents qui ont été demandés par les enseignants ces dernières semaines, c'est-à-dire un document qui regroupe les incontournables, les savoirs essentiels qui doivent être enseignés pour que les jeunes réussissent leur année scolaire, mais aussi commencent l'an prochain avec confiance. Donc, l'annulation des épreuves ministérielles et ce document des savoirs essentiels viennent aussi faire baisser la pression. Donc, on va être exigeant cette année, bien sûr, comme on l'est toujours. On ne veut pas faire nivellement vers le bas, mais on doit aussi être bienveillant. Conjuguer exigence et bienveillance, je pense que c'est à notre portée et c'est nécessaire cette année. On met en place des moyens exceptionnels, on prend des décisions exceptionnelles parce qu'on vit une année exceptionnelle. Il y a d'autres mesures qui vont être mises en place aussi dans les prochains mois pour l'été qui vient et même pour l'année scolaire 21-22. Et c'est des choses qu'on va mettre en place en travaillant avec les syndicats, avec les directions d'école, avec tous les partenaires, parce qu'on veut voir à moyen et long terme. Et ça, je pense que c'est rassurant aussi de voir qu'on planifie une continuité pédagogique sur plus qu'une année. Mais revenons au très court terme, à ce qui se passe cette semaine et la semaine prochaine.
Une autre bonne nouvelle que je suis très content de vous annoncer, c'est que dès la semaine prochaine, tous les élèves du Québec dans le réseau public auront accès à un outil technologique, donc une tablette ou un ordinateur, s'ils en ont besoin. Pas seulement les élèves du secondaire, mais aussi les élèves du primaire. C'est un tour de force qu'on peut réussir parce qu'on a été proactif. On a débloqué 150 millions de dollars au printemps dernier. On a passé des commandes en juin. On a reçu beaucoup de matériel informatique cet automne. On en a reçu jusqu'en décembre. Il y a des livraisons qui se font encore au moment où on se parle pour que dès la semaine prochaine, 100% des besoins soient comblés. Je le répète, que ce soit au secondaire, mais même aussi au primaire. Un mot sur la qualité de l'air. On a beaucoup parlé dernièrement de la qualité de l'air, la ventilation dans les écoles. Donc, je veux revenir sur cette question-là et faire le point, bien sûr, ensuite avec le Dr Massé qui viendra nous parler avec toute son expertise, de la qualité de l'air. Mais à la fin de l'année 2020, on a demandé à ce que des tests soient réalisés pour mesurer le taux de dioxyde de carbone, le CO2. On nous dit que le taux de CO2 est un excellent indicateur de la qualité de la ventilation, puis de l'échange d'air qui se passe, la part d'air frais dans un local. Donc, on a mesuré le taux de CO2 selon un échantillonnage important, 330 écoles, 1369 classes qui ont toutes été testées trois fois chacune. Et les résultats sont quand même assez encourageants, je vous dirais, et assez rassurants. D'abord, je vous dis qu'au Québec, le règlement sur la santé et la sécurité nous dit qu'en milieu de travail, on peut tolérer des taux de jusqu'à 5000 ppm, 5000 parties par million de CO2. C'est assez élevé. Dans le réseau scolaire, on est beaucoup plus exigeant que ça, beaucoup plus protecteur que ça. On vise 1000 ppm. On ne veut pas dépasser 1000 ppm. Et l'échantillonnage qu'on a fait nous arrive avec un taux moyen de 804 ppm. Donc, 20% de mieux que la limite qu'on a, qui est déjà très exigeant. Donc, ça, c'est le résultat de l'échantillonnage très sérieux, comme je l'ai dit, plus de 330 écoles. Donc, c'est évidemment quelque chose de rassurant. Mais ce n'est pas parfait, disons-le, parce que quand on arrive avec une moyenne, ça ne reflète pas l'ensemble de tous les résultats, bien sûr. On arrive avec environ 3% des locaux testés qui présentent des problèmes et pour lesquels des mesures, bien souvent, ont déjà été prises, dès le mois de décembre. Et d'autres mesures seront prises très, très prochainement, bien souvent même avant l'arrivée des élèves. Donc, des correctifs seront apportés, soit en ajustant le protocole du système de ventilation mécanique, le protocole d'ouverture des fenêtres, d'ouverture des portes. Et je veux préciser quelque chose. Si jamais on constate qu'il n'est pas possible de bien ventiler, de bien aérer ces locaux-là, eh bien, on va les utiliser pour d'autres choses. Ils ne seront tout simplement plus utilisés comme des locaux de classe. Donc, je pense que ça, c'est très rassurant. Aussi, je veux préciser que suite à une recommandation de la santé publique et du rapport que je rends public aujourd'hui, toutes les écoles seront testées pour évaluer le taux de CO2 et donc la qualité effective de la ventilation dans l'ensemble des établissements scolaires. Si des mesures additionnelles doivent être prises au regard de ces tests, elles seront prises très rapidement, mais je le répète, les tests qu'on a fait avec l'échantillonnage nous montrent un taux d'environ 804 ppm, ce qui est quand même encourageant. Je veux arriver avec des dernières mesures, des mesures additionnelles, des mesures sanitaires qui nous permettent de réouvrir nos écoles avec confiance, en plus des mesures qu'on avait déjà à l'automne. Les élèves de 5e, 6e année, comme l'a déjà dit le Premier ministre, porteront à l'avenir un masque, même en classe. Les élèves de première à quatrième année, eux, devront porter un masque dans les aires communes, dans les lieux communs, dans les corridors, dans les autobus. Mais je veux rassurer tout le monde, on n'impose pas le masque ou le couvre-visage à l'extérieur, dans la cour de récréation. On veut que nos jeunes puissent sauter, courir. Et bien sûr, les facteurs de risque sont beaucoup moins grands à l'extérieur, donc pas de masque dans les cours de récréation pour nos petits du primaire. Pour les élèves du secondaire, de la formation générale aux adultes et de la formation professionnelle, dès le retour en classe, eh bien, il faudra maintenant qu'ils portent des masques de procédure. Avant, c'était des couvre-visages, mais suite à une recommandation de la santé publique, on fournira deux masques de procédure par jour, par élève. C'est un facteur de protection supplémentaire. Dr Massé, tout à l'heure, pourra nous parler de d'autres
mesures sanitaires supplémentaires encore, notamment sur les vaccins. Donc, on le voit, la situation est loin d'être normale. C'est une situation exigeante, mais on a des mesures à la hauteur de la situation actuelle qui nous permettent de garder nos écoles ouvertes et de prioriser l'éducation comme on le fait depuis le début. On arrive avec un plan qui est clair, qui est solide, qui est le fruit de nombreuses consultations et qui touche bien sûr les sphères pédagogiques, sanitaires, puis aussi la question de la santé mentale. Je veux donc, à la fin, souligner le travail formidable, que font tous les membres du personnel de nos écoles, bien sûr, au premier chef, nos enseignants, qui enseignent tantôt à distance, tantôt en présence, mais toujours de façon très professionnelle. Je veux souligner leur travail parce que c'est grâce à eux, mais c'est grâce aussi à la participation de tous les experts, notamment les gens du comité tactique que je consulte fréquemment, et tous les partenaires, qu'on arrive à mettre en place toutes les belles mesures que je viens d'annoncer aujourd'hui. Et c'est grâce à toutes ces mesures-là et grâce au travail des gens sur le terrain que l'année 2021 sera, je le souhaite et je le pense sincèrement, une année de réussite éducative, qu'on va vaincre ensemble cette COVID et que 2021 sera donc l'année de l'espoir. Merci. Merci beaucoup, M. Roberge. M. Massé, la parole est maintenant à vous. Merci beaucoup, M. Roberge, Mesdames, Messieurs. D'abord, je suis heureux de me joindre à cette annonce pour le réseau de l'éducation et de présenter certaines des recommandations du rapport sur la ventilation et la transmission de COVID-19, tant en milieu scolaire qu'en milieu de soins. Tout le monde est bien conscient de l'intérêt important que revêt la qualité de l'air dans ces différents milieux-là. Il y a eu beaucoup de discussions à ce sujet-là. C'est pour ça que le ministère de la Santé a mandaté un groupe d'experts, en fait une vingtaine d'experts différents, incluant 6 réviseurs externes, qui ont à la fois fait le point sur les connaissances scientifiques qui entourent la transmission de COVID-19 en liaison avec la ventilation, et aussi pour soutenir la prise de décision, les autorités dans le maintien et l'entretien des systèmes de ventilation et la protection des gens par cette transmission. Donc, le rapport est normalement en ligne aujourd'hui avec un résumé. Et il a été basé sur des travaux de l'Institut national de santé publique à qui on avait demandé déjà l'été dernier de regarder la question parce qu'on voyait qu'il y avait des développements, des connaissances dans ce sujet-là. Et à l'instar de ce qui s'est fait aux États-Unis, ailleurs au Canada, en Europe, donc en concordance, on a regardé toute la littérature. Et il y a 3 documents de l'Institut, 3 documents d'appui de l'Institut national de santé publique qui sont aussi rendus disponibles en ligne en même temps. Un qui porte sur la transmission de COVID-19 par voie aérienne et par aérosol. Le deuxième qui porte sur la ventilation comme telle et son rôle. Et le troisième qui porte sur la prévention des infections qui pourraient être associées les mécanismes de prévention d'infection. Tel que le démontrent ces documents-là, on voit que la notion d'aérosol, donc de petites particules dans l'air, tout petites, là, plus petites que 100 microns, peuvent se déplacer. Et comme on l'a mentionné au cours des derniers mois, cette transmission-là se fait surtout à courte distance. On a toujours parlé du 2 mètres, c'est qu'effectivement, c'est à l'intérieur de 2 mètres que la très grande majorité de la transmission s'effectue. Ceci dit, il peut y avoir des circonstances où est-ce qu'il peut y avoir une transmission à plus longue distance. Par exemple, quand on parle très fort, quand on chante, quand on crie, quand on éternue, quand on tousse, toutes ces circonstances-là peuvent faire qu'il peut y avoir ces gouttelettes-là très fines qui peuvent se déplacer plus loin. Mais on ne parle pas d'une transmission à très longue distance et reste pas en suspension dans l'air très longtemps, comme on voit pour d'autres maladies, par exemple pour la tuberculose, où là, il peut y avoir une transmission qui peut s'effectuer à plus long terme. Le risque de transmission est augmenté dans certaines circonstances. Puis encore une fois, vous allez retrouver des choses qu'on mentionne depuis des mois. Par exemple, dans des espaces restreints, où est-ce que les gens sont collés, les gens sont rapprochés, où est-ce qu'on a une forte densité d'occupants, donc
par exemple, quand il y a plusieurs personnes qui sont dans une même salle. Lorsqu'on a une exposition prolongée, on a souvent parlé de l'exposition de 15 minutes et plus comme étant un indicateur de cette exposition prolongée. Puis, évidemment, quand ces endroits-là sont mal ventilés, bien là, on permet que les particules en suspension dans l'air puissent s'accumuler. À partir de ces constats, les experts sont arrivés à proposer plusieurs recommandations de nature générale, mais importantes. Le premier, c'est que le respect des exigences de qualité de l'air, telles qu'elles sont définies dans les lois, par exemple la loi sur la santé et sécurité du travail, mais aussi dans les guides. Il y a des guides au niveau du ministère de l'Éducation, des guides au niveau du ministère de la Santé, et que ces guides-là respectent des normes internationales reconnues. Donc, la première recommandation, c'est qu'on les suive, ces normes-là, qu'on suive ces guides-là, puis qu'on s'assure de leur respect. Le deuxième, et c'est ce qui a été mentionné par M. Robert il y a quelques minutes, c'est le fait qu'il devrait y avoir, il doit y avoir des inspections systématiques qui sont faites pour mesurer différents paramètres, le CO2 étant un de ces indicateurs-là, qui donne une figure générale, mais au besoin, il y a plusieurs autres indicateurs qui pourront être regardés, et que ça soit fait annuellement, idéalement avant l'hiver, mais ce que j'entends, puis j'en suis très content, c'est que le ministère de l'Éducation va compléter l'étude qu'il a faite auprès de tous ces bâtiments. Troisièmement, et ça aussi, ça a été annoncé, c'est que quand il y a des anomalies, il y a des correctifs qui soient faits très rapidement, et qu'il y ait un monitoring systématique dans les locaux où la ventilation soit déficiente. Donc, il ne s'agit pas de faire un regard une fois, mesurer les paramètres une fois, mais quand on voit qu'il y a des anomalies, bien là, à ce moment-là, il faut s'assurer que les choses sont rentrées dans l'ordre et qu'on va le suivre régulièrement. Concernant plus spécifiquement le réseau de l'éducation dans des écoles qui sont ventilées naturellement, dans le réseau de l'éducation, il y a environ 3300 écoles, si je ne me méprends pas, autour. Et puis, à peu près, j'arrondis les chiffres, mais à peu près les deux tiers sont ventilés naturellement. Donc, il y a des mesures qui doivent être prises pour augmenter la part d'air frais, particulièrement dans la situation actuelle. Puis, parmi ces mesures-là, on recommande d'ouvrir les portes, les fenêtres avant les cours, entre les cours, à la fin de la journée, même en période hivernale. Donc, c'est sûr que s'il fait très, très froid dehors, à ce moment-là, les gens vont peut-être ajuster, mais c'est essentiel de l'ouvrir, de ventiler assez longtemps pour pouvoir avoir un apport d'air frais à plusieurs reprises au cours de la journée. Deuxièmement, de laisser les portes des classes ouvertes le plus possible. Ça peut avoir certains inconvénients, ça peut être un peu plus bruyant, mais on pense que pour la qualité de l'air, c'est quelque chose qui va aider. Troisièmement, et évidemment, éviter d'utiliser les locaux qui sont non ventilés ou mal ventilés comme salle de classe ou de réunion. Puisqu'on parle aux salles de classe, mais il n'y a pas seulement les salles de classe, il peut y avoir des salles où est-ce que les professeurs ou les autres travailleurs au niveau des écoles peuvent se regrouper. On sait que ça a pu arriver que ce soit des lieux de transmission d'infection. Donc, ça aussi, il faut en tenir compte. On est conscient qu'il y a des contraintes quant à la disponibilité des locaux. Et donc, si pour des raisons de force majeure, ces locaux-là, pour lesquels on a identifié qu'il y avait des difficultés de ventilation, devaient être occupés. À ce moment-là, systématiquement, on devra limiter le nombre de personnes, puis limiter significativement le nombre de personnes. Donc, on parle de baisser 50 % au moins le nombre de gens qui vont utiliser ces pièces-là. L'utilisation de ces locaux-là devrait être que temporaire, en attendant qu'on ait trouvé un autre local pour pouvoir travailler. Et les consignes sanitaires doivent être strictement respectées. Beaucoup de discussions quant aux fameux purificateurs d'air. C'est des dispositifs de filtration mobile qui sont mis, recyclent l'air qui est à l'intérieur d'un local, que ce soit une classe ou autre. Le groupe d'experts ne recommande pas l'utilisation de ces purificateurs d'air à l'intérieur des classes dans l'école. Même s'il y a beaucoup de gens qui en ont parlé, même s'il y a peut-être des écoles qui en ont acheté, ce n'est pas une recommandation du groupe d'experts, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on n'a pas fait la démonstration que ces purificateurs d'air étaient capables de limiter la transmission des infections par aérosol. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas filtrer des virus, des bactéries. Ça ne veut pas dire que les filtres ne peuvent pas avoir une certaine efficacité. Il y a beaucoup de modèles différents. Mais ça veut dire qu'on n'a pas démontré
clairement que ça pouvait diminuer la transmission des maladies. Deuxièmement, puis la deuxième main est vraiment importante, alors que c'est fait pour travailler à courte distance, c'est des gouttelettes, c'est des micro-gouttelettes, puis donc près de la personne qui émet ces gouttelettes-là pour aspirer les gouttelettes puis les filtrer, dans une classe, on ne sait pas c'est qui. Alors qu'en milieu de soins, on sait c'est qui les personnes infectées, où il y a beaucoup moins de monde, donc on est capable de savoir où, si jamais on en avait besoin. En milieu scolaire, les gens qui ont des symptômes, ils ne devraient pas être à l'école. Les gens qui sont infectés ne devraient pas être à l'école. Fait que par définition, on ne sait pas c'est qui. Puis, mettre un appareil à une place, dans une classe, c'est prouver que ça, ce n'est pas suffisant. Il faut que ce soit proche de la personne qui peut émettre ces gouttelettes-là. Donc, c'est comme si on se donnait un faux sentiment de réassurance en pensant qu'on le met à un endroit. Il faudrait qu'il y en ait presque autour de tout le monde, ou très proche de tout le monde, pour penser que ça pourrait théoriquement avoir une efficacité. Donc, c'est une efficacité qui est réduite dans une grande pièce. Pour une classe, tout le monde dit, bien, un appareil dans une classe, pas ça qui va régler la question. Troisièmement, ça peut créer des mouvements d'air si ce n'est pas bien orienté, si ce n'est pas fait par quelqu'un qui vraiment surveille son installation puis son fonctionnement. Ça peut créer des mouvements d'air qui, eux-mêmes, peuvent mettre des aérosols en suspension. Donc, ça peut provoquer un risque si ce n'est pas bien placé, pas bien installé. Donc, les gens ne pourraient pas le déplacer puis le bouger. Quatrièmement, ça peut provoquer du bruit. Ça dépend des appareils. Il y en a qui sont plus bruyants, il y en a qui sont moins bruyants. Mais ce bruit-là pourrait nuire à la concentration des gens. Puis cinquièmement, si on met des appareils comme ça en classe puis que les gens pensent que les autres mesures sont moins importantes, qu'on peut se rapprocher, qu'on peut, à l'occasion, enlever son masque, qu'on peut faire moins attention au contact qu'on peut avoir avec les gens parce que ça crée un sentiment de sécurité, on passe à côté du message. Parce que c'est clairement ces autres moyens de prévention-là qui sont efficaces, les plus efficaces. Donc, je ne veux pas négliger le rôle de la ventilation puis de la qualité de l'air à l'intérieur des classes, à l'intérieur des écoles, mais ce n'est pas ça qui est la bonne façon de régler les choses. Donc, si jamais il y avait des problèmes particuliers, il y a d'autres techniques, d'autres approches au niveau de la ventilation qui peuvent être utilisées, comme des apports d'air qu'on va faire vers l'extérieur, ce qui n'est pas le même principe qu'un purificateur d'air. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas recommandé en milieu scolaire. En milieu de santé, il peut y avoir des indications dans certaines situations où est-ce qu'on peut avoir un complément, mais là, c'est une situation complètement différente. Vous allez voir des rapports où est-ce que les gens vont dire, puis on l'a vu, les gens ont dit, bien, on devrait l'utiliser, mais les gens ne faisaient pas la différence entre le milieu de travail ou le milieu de santé, le milieu de soins ou le milieu de l'éducation. Fait que les experts ici ont fait bien attention pour distinguer les uns et les autres. Et c'est des indications différentes, c'est des besoins différents. Il faut en tenir compte dans les recommandations. Ce n'est pas une affaire qui s'applique partout auprès de tout le monde. Dans le rapport, il y a plusieurs recommandations autres. Donc, je vais vous laisser en prendre connaissance. Mais il y en a une, évidemment, de celle-là qui porte sur l'évaluation de ces appareils de filtration mobile. Je voudrais parler de deux autres choses, pour ne pas prolonger la présentation. Le premier, c'est que depuis plusieurs mois, semaines, on regarde s'il y a de la transmission d'influenza. On est au mois de janvier, normalement, décembre, janvier, on voit de la transmission d'influenza. Les mesures qui ont été mises en place ont certainement contribué au fait qu'il n'y a pas de circulation d'influenza actuellement au Québec. Ça ne veut pas dire que ça ne pourrait pas arriver dans des semaines devant nous, mais il n'y en a pas actuellement. Par contre, on a des enfants qui ont des symptômes respiratoires. Dans la mesure où est-ce qu'il n'y a pas d'influenza, mais il peut y avoir d'autres virus qui circulent. Mais dans la mesure où est-ce qu'il n'y a pas de circulation d'influenza, puis qu'il y a des gens qui ont des symptômes respiratoires, et clairement, il n'y a pas beaucoup d'enfants qui vont chercher, utiliser des tests de dépistage, des tests de diagnostic, dans certains cas, quand les gens ont des symptômes, on demande à tous les enfants ou aux parents des enfants de faire dépister leurs enfants s'ils ont des symptômes, même de ne pas attendre 24 heures. Cet automne, on a parlé du fameux 24 heures, mais à ce moment-là, c'est parce qu'on ne voulait pas que les gens aient passé des tests de dépistage, puis qu'à ce moment-là, on a beaucoup de gens qui soient comme des tests qui ne soient pas pertinents. Mais l'épidémiologie actuelle, ça pourrait changer dans quelques semaines,
Mais l'épidémiologie actuelle nous montre qu'il y aurait clairement un avantage. Donc, ça renforçait les mesures sanitaires dont on parlait tantôt. Clairement, un avantage à ce que les jeunes puissent aller passer un test de dépistage. Ils doivent y aller, ils devraient y aller, même si ça ne fait pas 24 heures. Et donc, dans le contexte du retour à l'école, on demande à tout le monde si les enfants ont des symptômes. Enfants, l'école primaire, l'école secondaire, s'ils ont des symptômes, d'aller se faire dépister, de ne pas aller à l'école avec des symptômes, parce qu'il y a des chances qui sont significatives que ça pourrait être une infection liée à la COVID. Dernier point. Concernant la vaccination, vous savez, la campagne de vaccination a débuté. Ça commence un peu goutte à goutte parce qu'on est capable d'utiliser les doses qu'on a. On n'en a pas beaucoup, mais ces doses-là vont être bien utilisées. Il y a une série de priorités qui ont été identifiées. Et je voulais mentionner que pour les professeurs à l'école, primaire, secondaire, pour les éducatrices en service de garde à l'enfance, on considère que tous ces travailleurs-là, professeurs, enseignants, éducatrices, sont des travailleurs essentiels. On le voit, on le sait que c'est des travailleurs essentiels. Qui pourrait le nier? Donc, à ce moment-là, ils vont être mis dans la liste des travailleurs essentiels. Ils ne vont pas être vaccinés avant nos personnes âgées en CHSLD ou en résidence pour personnes âgées. Vous comprenez bien l'urgence de la situation. Mais ils vont être vaccinés avant des gens de leur âge, de leur groupe prioritaire. Ça veut dire avant, dans la première moitié des gens qui vont être vaccinés. Donc, on voulait le mentionner parce qu'on pense que c'est important. Je pense qu'on a fait le tour de la question, Monsieur Roberge. Merci tout le monde. Merci, M. Massé. Nous sommes maintenant rendus à la période de questions et de réponses pour les journalistes. Compte tenu du peu de temps dont nous disposons, nous vous demandons, s'il vous plaît, de bien vouloir vous limiter à une question et une sous-question par journaliste. Nous allons d'abord débuter par les questions en français et ensuite en anglais. Et nous allons procéder avec l'application de la main levée pour les journalistes à distance. Donc, nous débutons dès maintenant. Véronique Prince, Radio-Canada. Oui, bonjour à vous deux. Je voudrais avoir, peut-être que ce sont des détails qui m'ont échappé, là, mais par rapport à l'échantillonnage des écoles et des classes pour faire la vérification du taux de CO2, vous avez dit que l'ensemble des établissements allaient être testés. Alors, moi, ce que je voulais savoir, c'est, ça veut dire combien d'établissements reste-t-il à tester exactement? Et à quel moment vous pensez que ça pourrait être complété, tout ça, pour qu'on ait les résultats de l'ensemble vraiment du réseau? Et s'il y a des modifications à faire, est-ce que vous les référez encore au budget du printemps dernier que vous aviez donné? Okay. Merci pour votre question, Mme Prince. Ça fait plaisir de vous entendre en 2021. Effectivement, il y a un peu plus de 3000 écoles au Québec. On en a échantillonné 330 déjà. Donc, on va toutes aller tester les écoles du Québec. C'était quand même important d'y aller au départ avec un échantillonnage qui était suffisamment grand et qui incluait des écoles en milieu rural, en milieu urbain, des écoles bâties avant 1984, après 1984, parce qu'il y a eu des changements aux normes du Code du bâtiment à ce moment-là, des écoles ventilées naturellement, mécaniquement. Donc, on a un portrait qui est assez juste en ce moment. Mais on ne fera pas l'économie de tester toutes les écoles. De toute façon, c'est une recommandation de la santé publique et on va suivre cette recommandation-là. On va être capable de commencer cette série de tests dès la semaine prochaine, donc dès lundi prochain. C'est sûr que ça va prendre un certain temps à faire toutes les écoles. Et pour ce qui est du budget, je veux rassurer les gens. De toute façon, on est en contact direct avec les cadres scolaires et les directions générales de tous nos centres de services scolaires. Il n'y a aucun enjeu par rapport au coût que ça pourrait engendrer, à savoir si on n'aurait pas les fonds, si on n'avait pas les fonds, excusez-moi. C'est prévu que les centres de services scolaires ont les fonds. Et si jamais on manquait de fonds pour faire ces tests-là, les centres de services scolaires peuvent engager les frais et ils seront remboursés par la suite. D'ailleurs, pour l'année scolaire passée, on avait donné cette directive-là et a posteriori, après, on a remboursé pour plus de 60 millions de dollars de ce qu'on a appelé des coûts COVID. Parce que les centres de services scolaires, tout simplement, avaient fait les dépenses nécessaires, puis l'argent est au rendez-vous. Merci beaucoup. En sous-question, oui, merci. Merci beaucoup. En sous-question, je voudrais revenir sur le calendrier de vaccination, parce que là, vous dites que les professeurs vont pouvoir se faire vacciner et les éducatrices en garderie aussi.
Est-ce que vous avez une idée de à quel moment ça peut se faire, sachant que si on a toutes les doses reçues dans les temps, en février, vous espérez avoir vacciné les travailleurs de la santé, CHSLD, etc. Là, ça pourrait être à quel moment dans le calendrier de vaccination, les professeurs et les éducatrices? Comme vous l'avez mentionné, ça dépend vraiment des doses qui vont être reçues, mais selon les calendriers qui nous ont été fournis, s'ils sont respectés, ça va être probablement plus tard dans la session. Là, on parle de mars à avril, pas avant cette période-là, parce que il y a avant les groupes des personnes qui sont des résidents dans les résidences de personnes âgées, les travailleurs dans ces résidences-là, les gens qui ont 80 ans et plus, les gens qui ont 70 ans et plus, 60 ans et plus. Et quand on arrive à 60 ans, là, on introduit les travailleurs essentiels autres qui n'auront pas été touchés jusqu'à date. Donc, c'est avant 50 % de la population, mais il y a quand même plusieurs autres personnes qui ont des risques très, très importants, mais ils vont être faits en même temps que les autres travailleurs essentiels. Ce qui nous emmène, là, je vais le dire, au début du printemps, si on met le printemps le 21 mars, ça va être au début du printemps normalement. Merci, M. Massé. Passons maintenant à Charles Lecavalier, Journal de Québec. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui, bon. Déjà, première question, M. le ministre, étant donné le rapport et l'opinion du Dr Massé comme quoi ça peut être nuisible, les purificateurs d'air, est-ce que vous allez demander le retrait des purificateurs d'air qui sont présentement dans les salles de classe, là, entre autres dans les écoles anglophones? Merci, M. Lecavalier. Ce qu'on va demander, en réalité, c'est une évaluation par des experts, parce que ce que nous disent les experts qui ont été consultés par la santé publique, c'est que ça peut même poser un danger d'installer des purificateurs d'air, parce que ça peut brasser l'air et donc remettre en circulation des agents infectieux. Ce qui a été convenu avec la santé publique, c'était que si jamais d'aventure des écoles, même au regard de ce rapport-là, tenaient à installer des purificateurs d'air, bien, ils devraient au préalable avoir un avis favorable et une procédure qui est validée par des experts recommandés par le ministère, mais qui sont des experts aussi qui seront choisis, je dirais même, dans l'équipe de nos experts de la santé publique. Pour ce qui est des purificateurs d'air déjà installés, il va falloir que des experts, non pas des gens qui vendent des purificateurs d'air, mais des gens qui appartiennent à la CNESST, je pense, ou l'INSPQ, je regarde M. Massé pour valider, qui puissent se rendre sur place et s'assurer là, que c'est fait selon les normes. Merci, M. Roberge. Sous-question? Oui, j'ai un peu de difficulté quand même à comprendre, M. Roberge, parce que vous dites que c'est potentiellement dangereux. Mais là, il y en a dans beaucoup de salles de classe quand même, puis l'école va recommencer quand même bientôt. Donc, est-ce que vous allez avoir le temps de faire cette évaluation-là avant que les élèves retournent en classe ou ils vont rester là, les purificateurs? Là? Que je peux laisser M. Massé répondre pour ce qu'on devrait faire là, dans ces situations particulières? Je dois mentionner, on n'interdit pas, on ne recommande pas. On ne recommande pas qu'il soit installé pour toutes les raisons que j'ai mentionnées tantôt, mais on veut qu'il soit ceux qui sont là, puis là, je ne parle pas pour les autres, ceux qui sont là, qu'au minimum, ils soient bien installés et qu'ils ne posent pas de risques. Ils peuvent poser des risques, mais les risques peuvent être limités s'il y a quelqu'un qui vérifie comment ils sont installés, comment ils fonctionnent, puis qui supervise leur fonctionnement. Mais à terme, on pense que ce n'est pas une bonne solution. Ce n'est pas la solution qui doit être appliquée. Clairement, ce n'est pas la solution qui doit être appliquée. Les membres du comité là-dessus ont été unanimes. 20 experts qui ont été consultés et puis qui mentionnent le fait que pas en milieu scolaire. Parce que si une classe présente des déficits de ventilation importants, on ne devrait pas avoir des étudiants dedans. Je pense que ça, c'est clair pour tout le monde. Et puis qu'il y a d'autres méthodes d'accroître la ventilation que d'avoir ces appareils-là avec les inconvénients dont on a parlé tantôt. Merci, M. Massé. Passons maintenant à Stéphane Lévesque, ICI Média. Bonjour, messieurs. Monsieur Drouin, vous annoncez que les enseignants, les membres du personnel vont être vaccinés en mars et avril.
dans l'optique qu'il pourrait y avoir de la propagation de la COVID-19. Est-ce que vous vous êtes, scientifiquement parlant, fixé un point de rupture qui pourrait faire en sorte qu'il n'y aurait pas d'école en présentiel? Un point de rupture, c'est que, qu'on ne serait pas en présentiel? Dans le sens qu'un nombre de cas d'enseignants contaminés ou d'élèves qui ferait en sorte qu'on recommanderait de complètement fermer les écoles. Non, on n'est pas à ce point-là. Comme là, il faut faire la distinction entre le secondaire et le primaire, parce qu'une partie de l'enseignement au secondaire se fait déjà par du téléenseignement. Et puis, ce qui pourrait arriver, c'est qu'il y a une augmentation de cette fraction-là si jamais la situation se détériorait. Du côté du primaire, ce qu'on pense, c'est que la présence des enfants, des élèves, elle est essentielle pour leur apprentissage, pour leur santé mentale, pour leur socialisation. Et là, ça prendrait vraiment quelque chose qui serait très différent, même ça pour dire qu'il y aurait plus d'écoles, parce que la capacité de faire du téléenseignement au primaire, c'est une chose qui est extrêmement difficile et qui peut pas se faire d'une... En tout cas, moi, je ne suis pas pédagogue, là, mais qui ne peut pas se faire d'une façon qui peut remplacer la présence des élèves, pour commencer. Ce qui est fait, par exemple, c'est quand il y a de la transmission dans une classe, il y a une évaluation qui est faite alentour des gens dans la classe, il y a un dépistage qui est fait, et à l'occasion, on demande de retirer les enfants pour une période de quarantaine. Ils peuvent revenir en classe seulement après. Fait qu'on ferme des classes. S'il y a plusieurs classes qui ont des problèmes, il est arrivé rarement qu'on a dû demander de dépister les enfants dans l'école et même de fermer l'école très temporairement. Et ces mesures-là pourraient être appliquées si c'était nécessaire. Mais de fermer l'ensemble des écoles aux primaires, de reporter l'année, on n'est pas à cette situation-là actuellement. Il y a beaucoup d'autres choses qui devraient être faites avant d'arrêter l'enseignement de l'école au primaire. On parle de service essentiel. C'est clairement un service essentiel pour l'ensemble de la société. Merci beaucoup, M. Massé. Passons maintenant à Claudie Côté, TVA Nouvelles. Bonjour à vous deux. D'abord, je voudrais savoir, dans le rapport sur la transmission par aérosol, il est clair qu'une des clés là, pour diminuer la transmission, c'est la distance. Or, il y a beaucoup d'écoles en ce moment où les élèves, bien qu'ils portent le masque, ne sont pas à distance. Est-ce que la question des demi-classes, particulièrement au secondaire, a été abordée? Et si oui, pourquoi elle a été écartée? Que je peux, je vais y aller. D'abord, bonjour, merci pour votre question. Ça fait partie de tout ce qui a été évalué, évidemment, mais il faut voir que dans les facteurs de risque ciblés par le comité d'experts, c'est une accumulation. Hein. On dit qu'il ne faudrait pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient rassemblées dans un lieu qui soit clos et qui soit mal ventilé. Or, ce que nous disent assez clairement les résultats des tests de nos échantillons, c'est que dans notre réseau scolaire, la ventilation, de manière générale, quand on regarde la moyenne, est assez bonne. Il y a des exceptions. Hein? On a parlé de 3% des classes qui étaient problématiques dans l'échantillon. Et on va les traiter de manière urgente. Et on va tester toutes les écoles. Si on trouve des endroits qui sont problématiques, ils vont être réglés. On va s'y attaquer de manière urgente. Comme je dis, on va prendre des procédés très rapidement. Et s'il le faut, on va même utiliser ces locaux-là à d'autres escients. Donc ça, c'est important de le mentionner. L'idée, ce qu'on a depuis le début, c'est aussi de miser sur ce qu'on appelle la bulle classe, d'avoir hein, un peu comme une famille, une bulle classe, et on limite les contacts entre les élèves des différentes bulles classes. On le fait au primaire, mais on le fait au secondaire aussi, puis avec l'enseignement en alternance. Donc, les jeunes sont présents à l'école en groupe classe. Le lendemain, ils sont à la maison, mais ils reçoivent un téléenseignement. Donc, ça fait aussi qu'il y a beaucoup moins de contacts entre les élèves, supposons, d'une classe A et d'une classe B, parce qu'ils ne sont même pas à l'école en même temps, les mêmes jours. Si on y allait avec des demi-classes, il y a eu des discussions, bien sûr, à cet effet-là, ça pose des enjeux pédagogiques très importants,
parce que l'enseignant qui fait un enseignement en classe enseigne différemment quand il est enseignant et vice-versa. Quand on donne de la formation, d'ailleurs, aux enseignants sur l'art d'enseigner à distance, on dit bien que, idéalement, ce qu'on fait quand on enseigne à distance, ce n'est pas juste donner le cours qu'on donnerait en classe, mais devant une caméra. C'est une façon différente de faire l'éducation, puis c'est un compromis pédagogique qu'on n'est pas prêt à faire parce qu'on pense à la réussite scolaire des jeunes. J'ai eu aussi des rencontres avec des groupes d'adolescents en visioconférence, en Teams cet automne, donc plusieurs groupes d'adolescents. Je leur ai posé la question et ils nous ont parlé de l'isolement, de la santé mentale. Ils nous ont dit que là, on est dans bulle classe, on est toujours avec 20, 25, des fois 30 autres élèves, tout le temps les mêmes. Ils nous disent que leurs amis ne font pas nécessairement partie de leur classe. Donc, ça coupe les contacts. Hein. Les contacts sociaux très importants à l'adolescence sont déjà quand même limités en les forçant à avoir des contacts sociaux seulement avec leur groupe classe. S'il fallait qu'ils ne soient en contact qu'avec la moitié de la classe, tout le temps, c'est 10, 12, 15 même personnes, bien, ça viendrait ajouter un stress supplémentaire, puis encore engendrer peut-être davantage de problèmes d'isolement et de santé mentale. Je ne peux pas vous dire que ce n'est pas l'objet de discussion, mais comme je vous dis, il y a des enjeux pédagogiques très importants, des enjeux de santé mentale très importants qui nous amènent à prendre plusieurs autres mesures sanitaires, notamment les masques de procédure, les tests pour le personnel scolaire, le fait de ne plus attendre 24 heures avant de consulter. Donc, ce sont d'autres mesures sanitaires qu'on est capable de mettre en place qui vont avoir un impact positif, on en est convaincu. Maintenant, ma seconde question est sur le calendrier scolaire. Bon, on voit là, qu'on va reporter le bulletin au 5 février. Soit maintenant, qu'en est-il de la relâche? Est-ce que la relâche va être maintenue ou elle sera annulée? Étant donné qu'il y a eu une pause des fêtes, mais qu'on a garder les jours de classe comme étant des jours d'apprentissage à distance ou d'enseignement à distance. Il n'y a pas eu de journée de congé qui ont été pris. On respecte le calendrier scolaire. On préserve la semaine de relâche telle qu'elle est prévue. Et je suis content que vous reveniez sur l'idée de permettre de remettre le bulletin un petit peu plus tard. Les enseignants qui sont capables de remettre, les écoles qui sont capables de remettre le bulletin dès le 22 janvier, bien, on les incite à le faire. Et ceux qui ont besoin de la marge de manœuvre qu'on leur donne pourront aller jusqu'au 5 février, comme on l'a mentionné. Merci, M. Roberge. Passons maintenant à Lia Lévesque, la presse canadienne. Est-ce que Mme Lévesque nous entend? On reviendra plus tard. Passons maintenant à Marie-Ève Maurras, journaliste à la presse. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, Mme Maurras. Oui, bonjour à tous les deux. Ma question est pour le Dr Massé. Je reprends la question posée par un collègue un peu plus tôt concernant une éventuelle refermeture des écoles. Est-ce à dire que peu importe le nombre de cas dans la communauté, le nombre de cas quotidiens ou le taux de transmission dans la communauté, les écoles resteront ouvertes? Et un deuxième volet à cette question, sur quels critères vous êtes-vous basé pour autoriser la réouverture des écoles? En fait, c'est sûr que fermer les écoles, c'est quelque chose qui va avoir un impact sur la transmission entre les jeunes, des jeunes aux parents potentiellement, puis aux grands-parents potentiellement. Mais quand on regarde là où la transmission se fait, elle se fait actuellement en grande majorité à l'intérieur des familles et dans les rassemblements alentour. Plus que 50 % de cette transmission-là est dans ces milieux familiaux-là. L'école a eu et a des éclosions qui ont augmenté au cours de l'automne, au fur et à mesure que la transmission dans la communauté augmentait. C'est plus le reflet de la transmission communautaire. Mais ce n'est pas nécessairement les écoles qui alimentent la transmission au total. Elle en fait partie, elle en est le reflet, mais ce n'est pas ça qui est la cause première. Donc, on pense qu'avec les mesures qui sont prises actuellement dans l'ensemble de la communauté pour limiter la transmission, ça va avoir un impact pour
limiter celle-ci. On ne va pas l'empêcher, mais on va la limiter. Encore une fois, arrêter l'école au primaire a d'autres conséquences importantes, très importantes. Je l'ai mentionné sur l'apprentissage, sur la santé mentale, sur la socialisation dont on a parlé, et des conséquences sur l'organisation des familles puis la capacité des parents de pouvoir travailler carrément, de pouvoir être efficace. Donc là, on est obligé de peser le poids entre un service essentiel, un apprentissage qui est nécessaire, puis des effets secondaires, puis les risques reliés à la transmission. Compte tenu que ce n'est pas les écoles qui alimentent en majorité, ils en font partie, qui alimentent en majorité la transmission, mais qu'on en retrouve surtout dans les familles, une partie dans le milieu de travail, un autre 25 % dans le milieu du travail. Donc, à ce moment-là, on pense qu'on doit maintenir les services de l'école. Pour quelques semaines, comme on l'a fait, on peut retarder, on peut s'assurer qu'on prend toutes les mesures pour qu'on limite la transmission, mais l'arrêter complètement, c'est une décision qui aurait beaucoup d'autres impacts. Et là, ça voudrait dire qu'on arrêterait le fonctionnement d'une bonne partie de la société en faisant ça. Encore une fois, c'est une mesure qui pourrait être faite sur des courtes périodes, mais sur une plus longue période. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas évident au primaire. C'est quelque chose qui a beaucoup de conséquences. Donc, c'est ça. Merci. Peut-être en sous-question, vous avez appelé tout à l'heure les élèves qui ont des symptômes, les enseignants à aller se faire tester. Est-ce que il y a le déploiement à grande échelle de tests salivaires qui est envisagé dans les écoles? Il n'y a pas le déploiement dans les écoles de tests salivaires à grande échelle. Par contre, il y a le déploiement progressif de l'accessibilité aux tests salivaires. Il faut tester, calibrer les machines parce qu'il y a beaucoup de tests différents puis qu'il faut être sûr que ça, techniquement, ça fonctionne bien. Cette chose-là est en train de se faire. Mais on a d'autres tests que des tests salivaires qu'on peut aussi utiliser en cas de besoin. Donc, oui, on déploie des services de dépistage quand il y a des enjeux au niveau scolaire, même des unités mobiles à l'occasion. Il y en a eu plusieurs qui ont été utilisées quand c'était nécessaire. Mais l'emploi systématique des tests salivaires, ce n'est pas quelque chose qui est préconisé actuellement. Par contre, ce qu'on veut, c'est que les gens qui ont des symptômes, parce que là, il faut faire la distinction entre les gens qui n'ont aucun symptôme et les gens qui ont des symptômes, on veut que les jeunes qui ont des symptômes consultent immédiatement pour pouvoir avoir des tests et ne se présentent pas en milieu scolaire s'ils ont des symptômes. Mais c'est vrai aussi pour le milieu de travail. Malheureusement, on a vu des gens qui se présentaient en milieu de travail en disant « J'ai des symptômes, je vais aller me faire tester, mais je continue d'être présent parce que je n'ai pas eu mes résultats. » C'est pas du tout ça qu'on recommande. Donc, non, on ne va pas faire un déploiement pour tout le monde, mais on va rendre accessibles les tests dès que les enfants ont des symptômes ou des enseignants, évidemment. Merci, M. Massé. Passons maintenant à Marco Fortier, Le Devoir. Bonjour tout le monde. Je voulais voir, Dr Massé, vous avez dit tout à l'heure que les enfants qui sont dans des classes mal ventilées ne devraient pas être là, juste pour être certain, donc dans le 3 % des classes là, qui avaient ces problèmes-là, quel pourcentage là, des classes ont été évacuées et lesquelles ne le sont pas? Puis est-ce que les parents et le personnel le savent? Je peux y aller puisque c'est un échantillonnage qui a été fait par le réseau scolaire, là, plutôt que par la santé publique. La santé publique, bien sûr, a pris connaissance de tous les résultats, puis nous ont formulé des recommandations, puis même, je pense, en ont tenu compte dans leur rapport. Les classes qui ont été vues comme étant problématiques lors des tests ont été ciblées d'ores et déjà par les directions d'école et par les centres de services scolaires qui ont opéré ces tests. Même parfois, dans le rapport du test, on nous disait déjà quelle mesure remédiatrice a déjà été prise. Il est arrivé que dans le test, la personne nous envoyait l'information sur le test en disant « Oui, mais on a testé, mais on reconnaît que ce jour-là, pour une raison X, le système de ventilation mécanique qui devait fonctionner 2 heures avant l'arrivée des élèves du personnel n'avait pas été actionné. » Et donc, on reconnaît que c'était évidemment une erreur et qu'à l'avenir, ça allait être fait. Et donc, la situation était corrigée au préalable. Dans d'autres cas, même, on les a inclus dans le rapport, mais ça disait… Bon, il fallait faire le premier test
après avoir ouvert les fenêtres. Après, il y avait trois tests, là, avec ouverture, sans ouverture, et il y avait des tests qui avaient été faits sans suivre le protocole. Donc, évidemment, l'école ou le centre de service disait, bien là, on voit bien au résultat du test l'importance de suivre le protocole. Ça a été appliqué, ça a été corrigé. Si les centres de services scolaires et les écoles constatent que, justement, en opérant ces modifications-là, soit en partant un système de ventilation au préalable, en ouvrant la porte, en ouvrant les fenêtres, comme on dit le protocole, si on constate que ce n'est pas adéquat et qu'on n'obtient pas alors un taux de CO2 qui reflète une bonne ventilation, ben, on utilise les locaux à d'autres fonctions. On n'utilise plus ces locaux-là comme des salles de classe. C'est la directive, puis elle va être suivie. OK. Puis est-ce qu'on a une idée, dans les classes où le taux de CO2 était élevé, est-ce qu'on sait s'il y a une corrélation avec les éclosions? Parce que tout le monde se demande qu'est-ce qui cause vraiment les éclosions dans les classes. Savez-vous s'il y a cette corrélation-là? On n'a pas pu faire la corrélation parce que ça fait pas très longtemps qu'on a reçu les données. Évidemment, on les rend publics maintenant qu'on les a. Les centres de services scolaires ont l'information pour savoir s'il y a une éclosion dans une classe en particulier, bien sûr. Puis ce sont eux qui ont fait l'échantillonnage. Mais c'est sûr qu'au fur et à mesure qu'on va poursuivre l'échantillonnage et, en fait, les tests dans 100% des écoles du Québec, on aura plus souvent cette information-là. Puis, éventuellement, il est possible qu'on prenne d'autres mesures. Mais de toute façon, la solution, ce n'est pas de garder des élèves dans des endroits qui seraient potentiellement mal ventilés. Là, on parlait d'environ 3%. L'idée, c'est de bien ventiler ou d'utiliser ces locaux-là autrement. Donc, il n'est pas question là, de constater qu'il y a un problème et de laisser des élèves dans des classes qui seraient problématiques. Soit on corrige, soit on utilise les classes à d'autres fonctions. Merci, M. Roberge. Passons maintenant à Viatka Sonborg, La Tribune. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Génial. Bonjour à vous. Considérant qu'il est maintenant déconseillé d'attendre 24 heures avant de tester les enfants, à partir de l'apparition de quels symptômes vous suggérez aux parents de procéder à un test? Et ces mesures s'appliquent à quel groupe d'âge? Donc, c'est pour les enfants qui ont des symptômes des voies respiratoires, que ce soit un écoulement nasal, que ce soit une douleur pharyngée, l'apparition de la toux, une difficulté respiratoire, de la température. Donc, tous ces symptômes-là, j'ai résumé là, mais tous ces symptômes-là qui peuvent être la source d'une infection des voies respiratoires supérieures sont des indications d'aller se faire dépister. Puis on parle ici des enfants des écoles primaires et secondaires. Évidemment, toute autre personne qui a des symptômes devrait aller se faire dépister aussi. Mais dans ce cadre-ci, pour ne pas attendre 24 heures, on parle vraiment des élèves des niveaux primaires et secondaires. Parfait. En sous-question, j'aimerais savoir quelle est la pondération exacte des deux bulletins. Vous nous avez dit que ça avait changé, mais le pourcentage exact de chacun. Merci. Effectivement, aujourd'hui, on fait une mise au point qui répond positivement à une demande là, qui nous est venue, plusieurs enseignants, direction d'école, notre comité d'experts aussi pour les enfants handicapés en difficulté d'adaptation d'apprentissage nous ont demandé ça. Donc, on annonce que la pondération du premier bulletin sera revue à la baisse et en conséquence, la pondération du deuxième bulletin sera revue à la hausse. On fait encore quelques consultations auprès de nos partenaires pour définir ce pourcentage-là. Mais l'important, je pense, c'est de dire qu'on va donner une importance plus grande au second bulletin pour garder tout le monde bien motivé et donner à chacun la chance de se reprendre s'il y a des résultats peut-être qui ne sont pas les résultats attendus au premier bulletin. Merci, M. Roberge. Passons maintenant à Normand Provencher, Le Soleil. Vous m'entendez? Oui, alors, M. le ministre, alors, avez-vous des indications quant au taux de réussite des étudiants du secondaire? On parlait récemment que le tiers était en situation d'échec. Oui, j'ai vu ces impressions ou ces chiffres qui sont sortis des directions d'école qui nous ont dit qu'ils ont fait quelques validations auprès des enseignants, puis on nous a sorti des chiffres qui reflétaient des inquiétudes par rapport à un taux d'échec qui serait plus grand pour le premier bulletin.
n'ai pas ces informations validées-là à ce moment-ci. Par contre, j'ai bien demandé au ministère d'avoir des informations aussitôt que les notes seront entrées et que le premier bulletin sera émis. On va être capable d'avoir des informations pour voir l'effet réel, dans quelle mesure vraiment le taux de réussite est moins élevé à ce premier bulletin-là par rapport aux années précédentes. Mais il faut attendre évidemment l'émission du bulletin pour savoir ce qu'il y a dedans. D'accord, merci. Merci. Comme il n'y a plus de questions en français, nous passerons maintenant aux questions en anglais. Donc, je débute avec Rob Lurie, CTV. Good morning. Can you hear me? Yes, we can. I'd like to start with a question for Dr. Massé. Dr. Massé, can you just tell us in English why you are not recommending ventilation in schools? Yes. In fact, I must say just before that, that if there's a serious problem with ventilation within a class or a room, this room should not be used for teaching or for gatherings. So it should change vocation, if you could say. And if there's anything that's been noticed, it should be corrected as fast as it can be. We don't recommend those filtration device, first because it has not been demonstrated clearly that it's efficient to limit transmission. The second reason is that its purpose is really to protect close contacts with droplets from people that are infected, and it's not efficient on a larger distance. So within a room or within a dentistry cabinet, you can imagine that you can fix or use those devices very closely to where the emission occur. In a class where you don't know who could be infected, just putting one device in one spot is kind of impossible to be sure that it's going to be really efficient in any way, if even it is. The third reason is that if they are not really well used or well placed, they could by themselves generate droplets in suspension and carry them to other persons. So it needs really to be well installed and to be sure that there won't be any side effects. That's why we recommend that, you know, if ever those things are used, they should be placed by professionals. Fourth, depending on the kind of device that you're using, they might be quite noisy, and this might create some issues over concentration of people. And the last one is really that it could create a false security perception by people that if you have that, then maybe you can relax the other measures. But clearly the other measures are the ones that are the most effective, the most important to protect transmission. So if it does that within a class, then you kind of reverse the problem. So this is why we don't recommend the use of those devices. There are other ways that you can improve, either by opening windows, doors, increase the input of fresh air. You can extract the air from the place, which is one of the other issues that you can use rather than those air purifier. And you can have air exchanger. So there are other things that you can place rather than putting one kind of what you could think as a magic bullet, which isn't, in fact. And a follow-up question for the education minister. I just want to know what happens for the schools who have already purchased purifiers. Will they be reimbursed for those purchases for the school boards? Well, it's recommended that those devices has to be examined by some professional, not the sellers or people who installate them, but some expert from Direction de la Santé Publique or Institut National de la Santé Publique. So schools should
call to the minister or call to the santé publique to be sure that they don't increase the risk with those devices. Merci, M. Roberge. Passons maintenant à Morgan Laurie, Canadian Press. Hello, do you hear me? Yes. Okay, perfect. I was wondering if public health recommended keeping the schools closed for longer than the government decided to do, and if so, why do you choose to go against those recommendations? Well, there's been discussion over the different strategies and possibilities. And I must say that personally, I recommended that we don't close the schools too long because of the important side effects of closing schools, primary schools especially, but also the impact on secondary schools. But there have been discussions over how long should we or when should we reopen them, but we were favorable of keeping that interval as short as possible, depending on the epidemiologic status within the communities right now. So this is the discussion that took place. It's not an easy decision because you have to balance the risk within the community and the side effects or impacts for the parents and for the kids. And just as a follow-up, what level of transmission in the community would it take for you to recommend schools to stay closed for in-person attendance? Well, we didn't state on a specific level of transmission. Right now, we feel that the level of transmission is quite high, and that's why there's been a recommendation to have curfew and other community measures to limit transmission. And we think that those community measures with the curfew are by themselves very good tools to limit transmission. And I add something which is very important, if people respect them. Because the problem is not the fact that those measures are good or not. They are good. They are functioning. But if people think that the situation is not so important for them and for the others that live the consequences of transmission, then we are in a difficult status. So you have to be careful not to punish or impose very severe constraints on people that are not the cause of transmission. Kind of the kids are kind of victim in that situation right now. So that's why we want to place really the measures on the places where the risk of the higher risk of transmission occur. And this is not in primary school. I don't mean that there's no transmission. There are transmission, there have been outbreaks, there could be outbreaks still. We are taking all the measures to control them very rapidly, but they are limited and they are not the cause of the actual situation. So there's no specific level that I can point off at this moment to do that. Obviously, if there was still uncontrolled transmission, there could be stronger measures that would be considered by the government. Merci, M. Massé. Passons maintenant à Elias Aboud, CBC. Hello, can you hear me? Yes. Okay, first question, just for Monsieur Roberts, why was there not a greater option for online learning in this session for more people except for those children with medical conditions? Well, at the beginning of this school year, we had some discussions and we've decided that as a priority for the government and for the nation, education should be mandatory and
in place, in school presence for the kids is mandatory because it's really, really important. We have the doctors, the pédiatre says it was really important for the kids to be in school. Teachers, of course, said it loudly. It's really important. It's the best place for the kids. Of course, if within the family they have some medical issues related to the COVID, we can make those exceptions, and we did implement some online school teaching for those kids because they are in a family with some problems related to the COVID. But for most of the kids, most of the students, the best place to be is in school. Okay, and just during this news conference, we have received a release from the English Montreal Service Center School Board saying that they will go ahead with the installation of air purifiers, and they essentially disagree with the report. What do you have to say about that, either Dr. Massé or Monsieur Roberge? Well, I think it's really important to follow the recommendations of our health specialists. I think Dr. Massé and La Santé Publique did a really, really high value work. They consulted a lot of specialists, and they came with a scientific with some scientific recommendations. I think it's really important to follow them, and they didn't say nobody can't install those facilities, those things, but they are not recommended. And I don't know if you want to follow well, the answer. They are not recommended, and if there would be a school board that would want to buy them, they should have authorization, and that's what's written in the report, at the end of the report, that they should have the authorization by a tripartite committee composed of people from the education sector, people from the CNESST, the work board, and public health, to give them either an authorization or not. And for those that are there, then they could provide an advice. It would not be that committee, though, but we could provide an advice on how to be sure that they don't have negative side effects for the persons in the class. Merci. Passons maintenant à Félicia Parr, Global News. Yes, hi, do you hear me? Yes, we do. Great. For a question for Dr. Massé, in the cases where air purifiers are already in classrooms, can an inspection tell if it's making things better or worse? Well, they can look at how it's installed and to be sure that it doesn't create a risk on the way the air draft could bring up some aerosols in the room. So it's mostly to inspect them and to be sure that there wouldn't be any other side effects that could be related with the use of those apparatus. Okay, great. And for Mr. Roberge, you mentioned earlier the pediatricians and those who wanted to see schools reopen quickly, but what do you say to the parents and teachers and students who are nervous about going back to school on Monday? The English Parents Committee Association sent out a survey where over 10,000 parents responded, and 63% of them were not in favor of returning back to class on January 11th. So what do you say to those people? Well, I can understand that they are aware. Maybe some of them are afraid because we are facing like a crisis. We are not in a normal situation, of course, and everybody, you know, they go in social media and they read a lot of things, so it's normal that we have to comfort them and to tell them the truth, and the truth is coming by with the science, and that's why we follow the recommendations of
la santé publique. And I think it's important to say that we come with some new measures to be sure that is safe and secure to be in school. So with those new procedure masks in high school, with face covering will be mandatory for grade 5 and 6 at elementary school. Face covering will be mandatory in the global area and in school bus. So those are new measures that can reassure that it's safe to be in school. Merci, M. Roberge. Passons maintenant à Rin Brumaire, Montreal Gazette. Can you hear me now? Yes. Question first for Dr. Massé. I just wanted to know your opinion on the use of plexiglass barriers in classrooms, given the nature of aerosol transmission. Do you think they're effective and should be installed? This is a quite interesting and difficult issue. I've seen classes in Asia mostly where there have been some plexiglass that were put between students, but at the same time as they were putting plexiglass, they were kind of putting the students very close one to the others. So I'd rather have a distanciation of 2 meters if we can respect that rather than make any barriers between the students. In some instance, there's been also barriers between the teacher and the students. And we know that other than in class, it occurs that people are using that and it's effective. But in terms of teaching, there are other side problems of using them. This is why we recommend mask, and I must recall that we are recommending procedure mask, which are not kind of facial covering tissue, which is really something which has a higher standard of quality. And this is why we increased the level of protection to the children in secondary schools. And it applies to the teacher, which already had a recommendation of using those procedure masks, which are kind of the what we call surgical masks, if you want. So we think that this is something which should be effective rather than putting barriers in plastic between the children. As I said, what I've seen, I'm not saying it's not effective. I'm saying that it has other sides problem that we would not want to happen in our classes. Thank you. And a question for Monsieur Roberge. Given that provincial exams for grades 10 and 11 will be canceled at the end of this year, I believe, how will CGEPS evaluate how children would be accepted to CGEPS or not? Well, I think we can rely on the professional judgment of our teachers. We decided not to go on with those ministers' exam, but of course there will be some report cards, and I think we can have a good confidence of the professional judgment of our teachers. So they will evaluate all they have to evaluate, and so the CGEPS will be count on the report cards. Merci, M. Roberge. Dernière question, Alissa Rubertucci. Nommez votre média, s'il vous plaît, puisque je ne l'ai pas ici. Hello, it's Alissa Rubertucci, City News, Montreal. Minister Roberge, I want to know why it was necessary for the government to provide these procedural masks. What difference is it expected to make? And I guess, why wasn't this evaluated back when school started in September? I will let Dr. Massé answer this question because it's a recommendation of public healthcare specialist. Well, in fact, what we know now better is that those facial masks in tissue have variable qualities in them because until very recently, there was no standard here in the province and in Canada. There are some countries like France where they do have standards, and in Italy they have also standards. We didn't have that, so we asked the IRSST to provide what are the necessary qualities of those masks, but they are not right at this moment, they are not
manufacture so that, you know, some of them are quite good, very good. I'm using them. And others have little or no values. So that's why we think that we can use those facial masks in regular situation. Some are quite effective, but in terms of class, we want to reinforce using surgical masks, which have higher properties to limit the droplet transmission between people. We didn't recommend them to start with last in last spring. You remember the difficulties with providing those masks at a very, very larger scale than we used to. So the there was an increase all over the world. There was some kind of battle in airports concerning the accessibility of those surgical masks. And in September, through the session, we did recommend more and more the use of those facial masks, but we think at this point that the transmission is high enough that we want to increase the step to something which is going to provide to secondary school persons a better protection. There's an issue of adaptation to the face of the students. So for secondary school, there shouldn't be too many problems. If they are too large a bit for the attachment of the mask, the people can make some knot on them and adapt them to their face, which is not the case for the people at primary school, where clearly we would need to have a smaller mask and provide them, which we don't have in larger capacity at this moment. And you're saying that children are not the cause of transmission, but what about a number of adult and vocational centers across Montreal, Quebec, that are expected to reopen January 18th? Why aren't they treated differently, considering the students that attend those schools are among age groups with higher transmission rates? Yeah, well, the when you look at the transmission, there's the first step that you see where there's an increase in transmission is around 9 years old, 10 years old. There's a first step there. And that's exactly the some of the measures that we are providing using the mask for those kids. And then the other step is really it increase around 14, 15 years old. And this is why we are providing tele teaching for those children, and we would like to have those persons be taught in presence, but because of that higher transmission, we think that tele-enseignement or tele-teaching is something which is going to decrease the risk. So we are following the kind of the curve of transmission to do that. And we know that people in secondary 3, 4, 5, it's not perfect, but it's possible to offer that kind of teaching with a level of quality of teaching for those persons. So we are kind of adapting the measures to what are the level of transmission that we see in the community. I want to come back on the issue of the transmission. The transmission in school is difficult to separate from the transmission outside the school, before and after. And the message is also, beware, we are discussing about opening schools, but what we want to be sure is that people before and after and between, if you include the lunch hour, that all the precautions are done there, because this is a significant time of gathering and transmission. And what we're seeing is that people kind of diminished their level of protection in those circumstances, which is not school time. It's kind of related to school time, but out of the classes.